Bonjour à toutes les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Zemio se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle pour continuer à débloquer l'émission du Goku Rush. Voilà, on forme des DS comme on peut pour patienter les 5 ans. Donc là, je suis en lignée diabolique. J'ai pas métal couleur, enfin métal couleur, j'ai métal couleur, mais j'ai pas le couleur multiforme. J'ai mixé hein, métal couleur de mon côté et couleur multiforme de l'autre côté. Et du coup, maintenant, on se trouve à la phase Migaté. Et là, tu vois, là, j'ai un gros souci. J'ai un très, très gros souci. Du coup, je vais directement Ghost. Ah oui, j'ai un autre souci. J'ai plus d'item. Princesse The Bee. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi ça arrive qu'à moi, je ne sais pas. J'utilise également le couleur, métal couleur intelligence. Et je trouve pas exceptionnel ici. En même temps, je l'ai pas à 100%. En fait, je trouve pas cette team incroyable dans le sens où un peu chipsouné quand même cette team. Hein. Comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me follow sur Twitch, les amis. On commence à streamer de plus en plus à des heures régulières. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Donc si vous ratez les séances de stream, ce n'est pas grave. Il y a les temps forts. Je ferai très prochainement une miniature pour vous indiquer les temps forts, enfin pour vous indiquer que bah, ce stream, enfin ce temps fort est consacré à Dokkan. Ça gratte à la gorge, hein. Ça c'est un coup du pollen, ça. Un coup du pollen ou du migaté. Je suis dans la yes life, oui. Ou dans la no life, c'est sem sem. Alors là j'ai toujours un problème. Migaté va nous... Ah, il va nous faire mal. Moi, j'aime pas quand il fait mal comme ça. Dès le matin. Sans crier gare. Je pense qu'on va claquer... On va claquer le Whisou. Parce que dégager le DP, j'avoue que ça ne m'arrange pas. Est-ce que je claquerai pas deux items? Parce que là, 47 000, même s'il gagne que 30%, je pense. Non, on va pas faire le fou. Je vais pas faire le fou, les gars. Oui, j'ai beaucoup claqué, mais là, vu la configuration, il peut nous one turn. Pas one shot. Ah, on n'a pas de bol. Décidément. C'est le pollen gate. Ouais, non, mais le pollen. Chaque année, eux aussi font des top 1. Hein. Top 1 nez qui coule, top 1 les yeux qui piquent, qui se grattent, enfin tu te grattes les yeux. Bon, un petit critique, puis un deuxième. Migaté peut ouvrir vite en fait, c'est pour ça qu'on peut se permettre de claquer deux items. Là Migaté... Waouh, deux items et on... C'est incroyable quand même. Cette chips de couleur full power est assez impressionnante. Voilà, on va utiliser métal couleur agilité. Alors, qui est le plus intéressant entre les deux? 113 000 et 104 000. Je crois que j'ai la régénération là. Évidemment, oui, évidemment. L'aspect ultime, nice. Voilà, on devrait survivre dans tous les cas. Bon, Migaté, en fait, c'est beaucoup plus simple si j'avais mes couleurs multiformes. Et donc, je me pose la question, est-ce que je ne mettrais pas quelques pièces rouges pour le dropper? Parce qu'en fait, couleur multiforme... Ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu en Dokkan Fest, il me semble. J'aimerais bien le dropper un jour. Comme très très solide en termes de DPS sur le Goku, ce petit Goku... Enfin, ce petit couleur, mais je suis en train d'économiser aussi pour les LR des 5 ans. Bon, idéalement c'est de dropper les deux, mais ça c'est un doux rêve, que j'aimerais bien réaliser, mais bon, il se peut qu'il se réalise pas, donc faut que je prévoie un plan B. Donc plan B c'est de paquet 500. Bah décidément le pollen, c'est de paquet 500 pièces rouges. Oh, merci beaucoup, Brandis. Bienvenue à toi.
Ah, par contre. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? Décidément, l'endurance a. Ah, pas de bol là. Voilà, je pense qu'un petit dragon, en espérant ne pas manger l'aspect sur le couleur. Si on se mange l'aspect. Aïe 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 les amis, aïe aïe aïe, de bons bata comme ça. Ouais, le couleur puissance il stack à l'infini. Enfin, il stack l'attaque à l'infini. Ah. L'aspect, pour l'instant, il a pas claqué. Donc j'ai un peu peur, les amis. Même si on met deux critiques ici, ça, faudrait qu'on fasse double SP critique là. Double SP critique. Ah, ou, ah non, l'attaque supplémentaire. Ah oui, il a pas de doublon. Mince. Ah, j'ai peur là, les amis, j'ai peur. J'ai très peur. Ouh là là là, la chips. Ouh, aïe 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 aïe. Chips crevette. Ah, tu m'obliges à claquer mon petit passif. Oh, il m'a fait mal, hein. Bon, bah du coup, Migaté, on va pouvoir le finir de cette manière, je pense. Presque. Oh, et là, on le tue, il reste une barre. Faut pas déconner non plus. Donc pour les personnes qui se posent la question, le top 1, 35 DS. Malheureusement sur la globale, enfin malheureusement sur Android, on a été battu par un cochon. Actuellement Coinmaster est premier. Sur iOS, on a eu pas mal de top 1 dans plusieurs pays. Mais voilà, le cochon est plus fort qu'un Goku Ultra Instinct. Du coup, je sais pas quoi penser les amis. Et en fait, je pense, tester Coin Master. Ça m'intrigue, comment ça se fait qu'un jeu où on voit un cochon qui tient une pièce, comment ça se fait que ce jeu-là soulève Goku Ultra Instinct? Moi, faut qu'on m'explique, les amis. Qu'est-ce qu'il a de plus que Goku Ultra Instinct? Est-ce qu'il fait des attaques spé en 4K? Je sais pas, les amis. Moi, faut qu'on m'explique. Si j'ai pas l'explication, ça va m'agacer, tu vois. C'est Kardashian, il joue au jeu? Mais non. Sérieux? Non, mais c'est une blague. C'est une blague, les gars. Foutez de ma gueule, c'est pas possible. Parce que les Kardashian, il joue et que du coup, ça fait Jennifer Lopez aussi? Non, t'es sérieux? Mais moi. Mais Brice Jamming, il joue à Dokkan Battle. En théorie, je pèse autant que les Kardashian. Kardashian et Lopez. Les frères Lopez. Attends, comment ça se fait que les frères Lopez, ils ont autant de puissance là? Je ne comprends pas les amis. Ça fait le café. Non mais c'est à dire que... Même si le jeu est éclaté, je sais pas si le jeu est bien. Hein. C'est à dire que même si le jeu est éclaté, il suffit que... Une célébrité face à la promo et c'est bon, Dokkan y perd. C'est incroyable ça. Ah ouais d'accord, ah ouais là j'ai souffert. Ah la souffrance, aïe 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 aïe. Ah ouais non mais là par contre... T'as des bons matins comme ça, c'est pas facile là. Ah, j'ai pas le choix. Ah, du coup, on va essayer de garder le Dokkan mode d'ici 3 tours. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. Oh, là c'est pas mal. J'ai tout compris, mais les stars américaines s'en foutent de Migaté. Coinmaster s'est éclaté au sol. C'est quand on va le tester? On va le tester. On veut savoir quel est le jeu qui soulève le Goku Ultra Instinct.
Moi, je veux savoir. Si ça se trouve, le cochon, il a une transformation en SCJ5. C'est ça qui explique pourquoi il bat Migaté. Non, mais en fait, si ça fait top 1, c'est-à-dire que les gens, ils mettent masse boulasse. C'est ça qu'il faut se dire. Rama, j'aurais dû mettre le tech à la fin. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai un peu peur pour l'avenir de ce run, les amis. Faut que je tienne encore deux tours. Il faut que le Dokkan Mode, il fasse mal. Faut qu'il fasse mal comme Jaja. C'est pay to play. C'est pas coché la nuit. Si, si. C'est juste que je me suis réveillé hyper tôt. Indispensable d'avoir plein de doublons pour l'arbre de potentiel pour le Goku Rush. En général, les unités free to play 100% se débrouillent mieux. Je parle des unités free to play qui stackent à l'infini. Maintenant, pour les unités qui les unités premium qui ne stackent pas à l'infini, oui, il faudra des doublons. Parce que sinon, tu prends un peu cher. Ça se trouve, la Kardashian a claqué toute sa thune. Ah, elle peut se permettre, hein. Je crois qu'ils sont, il y a certains qui sont millionnaires, voire peut-être milliardaires, non? Non, la visite est free to play, la plupart font le taf. Hein. Ah, faut que je rate le. Enfin, faut que j'esquive le Dokkan Mode là. Sinon, c'est la saucisse. C'est. Tiens, j'ai plus d'items. Hein. C'est la saucisse. Il y a 4 attaques à bloquer. Il y en a 2 ici. Là, il y en a 3. Faut vraiment que j'esquive tout ça. C'est un blocage à chaque fois, c'est dommage. Punaise, j'espère qu'il va taper sur le tank. Oh, s'il vous plaît, les gars. Et derrière, je vais pouvoir Dokkan Mode. Allez, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, pour 5 petites DS. Allez, tapez sur ce petit golden, s'il te plaît. Non! Oh, j'ai peur. Bah, l'autre Golden, il a pas beaucoup de def, lui. Hein. S'il se mange l'aspect, c'est fini. Oh, la chips. Oh, la chips crevette. Pas de spé. Ah, c'était tendu que ça. Oh oui, je pars avant lui. Oh là 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 là. L'alignement. En plus, j'ai mon meilleur sauce. J'ai mon meilleur sauce Nyokmam, les amis. La puissance du Nyokmam, elle est là. Je me demande si les gens savent ce que c'est en fait. Est-ce que la team Nem, elle est là ou pas? Est-ce que la team qui mange des Nem, est-ce que vous êtes là? Montrez-vous. Parce que manger des Nem sur la sauce Nyokmam, comment te dire? C'est comme un doner kebab sans sauce. Ça a du mal à glisser, tu vois. C'est comme des bubble tea, mais sans les paires de tapioca. C'est bizarre, tu vois. Donc, le message est passé à notre. Non, j'étais concentré là. Ce sera. Non, ce vendredi. Hein. C'est tous les 15 jours. Donc, milieu du mois plus. Oh non, il lui reste un trait. Quel trait. Putain, mais. L'auto-attaque à 2 millions, quoi. L'auto-attaque à 2 millions. Voilà les amis, croyez en vos amis. Couleur MVP, Super Amiga TLR. Ah oui. Donc là en plus, un couleur sans doublon. 5 DS les amis, 5 DS ça fait plaisir. 5 DS dans la douleur, mais on prend les amis. Comme quoi, hein, même sans l'avoir, on peut le jouer à partir du moment où on a Metal Couleur Agilité. Voilà, 5 petites DS.
Cimer, les amis. Bon, comme d'habitude, les amis, pour soutenir la chaîne, le pouce bleu, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis, le lien se trouve dans la description. Je stream quasiment tous les soirs, donc viendez. Et je stream aussi le matin maintenant. Oui. Le Morning 5, que je raconte, le Morning Farm, c'est le matin. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. À très bientôt.